Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du mercredi de l'Assemblée nationale. Une édition d'abord pour vous souhaiter une bonne année, meilleurs voeux à vous depuis l'hémicycle. Puis c'est l'occasion de revenir sur un vote important puisque hier nous avons enfin voté le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. C'est l'occasion de vous rappeler les objectifs, l'objectif d'une meilleure planification, pouvoir avoir des lieux propices au développement de ces énergies renouvelables, à la fois du photovoltaïque, mais aussi de l'éolien en mer. C'est l'occasion aussi d'avoir enfin aussi une définition de ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, le développement des cellules photovoltaïques pour les agriculteurs, afin notamment d'avoir un revenu d'appoint. Et puis, ce texte de loi, il permet aussi de travailler sur le partage de la valeur. Lorsqu'on parle de partage de la valeur, on parle bien entendu d'un fonds pour la biodiversité, mais aussi de cette possibilité de mieux rémunérer les communes, les comités de communes qui s'engagent dans le développement de ces projets d'énergie renouvelable. Vous l'avez compris, notre volonté est de pouvoir développer ces énergies renouvelables, de rééquilibrer notre mix énergétique pour produire plus de nucléaire, mais aussi plus d'énergie renouvelable. Et donc, notre pays gagnera forcément en souveraineté énergétique. Alors, depuis cet hémicycle, le cœur battant de notre démocratie, je vous renouvelle mes vœux de santé, mes vœux de réalisation de vos projets à vous et à vos proches.